comment discerner une attaque du malin et le faire, j'allais dire, à la différence avec un problème psychologique. Et c'est une question qui est pas très simple, parce qu'il ne faut pas voir le diable nulle part. Lui, ça l'arrange bien, hein, qu'on pense qu'il n'agit pas. Mais il est tout aussi important de ne pas le voir partout. Et moi, c'est vrai que je reçois parfois des gens qui, le moindre craquement dans le mur, ça y est, c'est la présence du diable. Là encore, c'est lui faire beaucoup d'honneur. Il n'est pas partout. Et il faut savoir faire un petit peu un discernement. Alors, lorsqu'une personne sent qu'elle fait l'objet d'une attaque démoniaque, on va dire, hein, ou du monde spirituel négatif, la première chose à faire, évidemment, c'est un discernement minutieux. Et l'Église, de ce côté-là, est très attentive à essayer d'abord de bien prendre le temps d'écouter les personnes qui vont dire « voilà, moi j'ai un problème ». D'abord parce que les interactions entre le spirituel et puis le psychologique sont très liées. Vous savez, c'est un peu comme le corps et l'esprit. Vous savez qu'il y a du psychosomatique, hein. Si on n'est pas bien en soi, on peut faire des eczémas, des maladies de peau, on peut même tomber malade, hein. Il y a ce qu'on appelle le psychosomatique, qui est bien connu par les médecins, c'est ce lien entre l'esprit, le psychologique, le psychisme, et puis le corporel. Bien, exactement la même chose, il y a aussi un lien entre le spirituel et le psychologique. On ne peut pas couper en deux, on ne peut pas les séparer avec un couteau, on dit ça, ça c'est du pur spirituel, c'est l'action du diable, et ça, c'est du pur psychologique, ça relève du psychiatre ou du médecin. Les deux se mêlent, et c'est difficile parce que l'un agit sur l'autre. Alors, que faut-il faire? Eh bien, finalement, ce qui est important, c'est quand on reçoit la personne qui vient dire quelque chose, c'est d'abord ne pas avoir, parce que, si vous voulez, un réflexe que moi j'ai vu chez un certain nombre de confrères, même chez certains exorcistes, et je le regrette personnellement, c'est de se dire « Oui, mais ce que vous dites, ça relève du médecin. Allez, on va faire une petite prière, vite fait. Dites un « Je vous salue Marie », à notre Père, puis hop, et allez voir un psychiatre. » Rien de plus blessant. Et j'ai vu beaucoup de gens qui ont eu de mauvaises expériences parce qu'on ne les a pas écoutés. Tout de suite, on a dit « Oui, c'est que psychologique, et allez voir un médecin. » Alors qu'on ne se rend pas compte, c'est que ces personnes-là, c'est souvent les médecins qui les envoient, en disant, il y a un moment, parce que les médecins ne sont pas si... Ils savent aussi où est leur domaine. Et quand ils sentent que ça dépasse un peu, que c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, qui sort du cadre, on va dire, eh bien, c'est les premiers à envoyer auprès d'un prêtre. Moi, j'ai eu la grande surprise, je ne m'y attendais pas, d'avoir beaucoup de gens qui ont été envoyés, pas forcément des croyants, ou même pas des croyants du tout, envoyés par des psychiatres, eux-mêmes pas croyants. Mais en disant, là, ça dépasse. Alors, c'est là où c'est important, vous voyez, il y a des domaines sur lesquels il nous faut tenir les choses. Alors, je vais vous donner après quelques critères pour dire, là, c'est du psychologique et là, c'est du spirituel. Il y a quand même quelques critères pour faire la différence, hein. Bon. Quand on accueille... Là, je me mets maintenant du côté d'un exorciste ou d'un prêtre ou d'une personne mandatée, hein, un laïc, hein, ça peut être des laïcs, mandatés pour accueillir des personnes qui disent « voilà, moi je sens que j'ai une attaque démoniaque ». C'est sûr qu'il est important d'avoir quand même quelques notions de psychologie au départ. De manière, non pas pour, j'allais dire, cataloguer, mais pour savoir jusqu'où on doit aller. Dans ma formation, moi personnellement, moi je suis psychologue de formation, hein. Je n'ai pas exercé, mais j'ai fait des études, je me suis arrêté après mes études de psychologie et de mon diplôme de psychologue. Et ce qui m'a, je ne l'ai pas oublié, mais je vous assure, quand j'accompagne les gens, je ne vais surtout pas sur le domaine psychologique parce que j'en ai pas les compétences ou pas assez de compétences. Il est important, comme le psychologue ou le psychiatre, de ne pas aller trop loin dans le spirituel et de dire tout ça, c'est fantasmatique, etc. Il est important aussi de dire, et à un moment, pour les personnes, allez voir aussi un accompagnateur, enfin, ou en tout cas, une personne qui va vous aider. Parce que pour moi, vous voyez, quand il y a ce problème-là, il faut tenir les deux bouts. Au même titre qu'il y a le psychosomatique, il y a le corps, il y a besoin du esprit, et puis il y a l'esprit, il faut tenir à la fois. Et moi, je veux bien accompagner les gens quand il y a un problème, attention, un problème sérieux, hein,
Je leur dis, mais en même temps, allez voir un psychologue et on va travailler ensemble parce qu'il faut tenir le. Parce qu'il n'y a pas du spirituel pur et du psychologique pur. Il faut qu'on travaille de concert. Et c'est pris en charge, la personne doit être prise en charge à la fois d'un point de vue psychologique et d'un point de vue spirituel, chacun dans son domaine. Et vous inquiétez pas, les gens vont arriver à trouver le lien qui va permettre de trouver leur chemin pour s'en sortir. Mais ça, je crois que c'est un aspect qui est très important. Alors, le discernement maintenant. Je vais essayer d'entrer un petit peu plus profondément. Eh bien, il s'agit de reconnaître ce qui vient de l'esprit humain, ce qui vient de la psychologie, on va dire, de ce qui vient de Dieu aussi, parce qu'il y a des choses qui peuvent venir de Dieu, ce qu'on appelle le bon esprit, de ce qui vient du malin. C'est ce qu'on appelle le mauvais esprit. Alors, comment, sur quoi s'appuyer? Qu'est-ce qu'on a comme élément? Qu'est-ce qu'on a comme arme, j'allais dire? Eh bien, on a d'abord l'expérience chrétienne. On a retrouvé beaucoup chez les pères du désert. Vous savez, on est au 5e siècle. C'est des gens qui étaient très fins au niveau psychologique et au niveau spirituel et qui eux-mêmes ont beaucoup décrit tout ce qui est de l'ordre de la tentation et des tentations. Hein, on connaît les tentations de Saint-Antoine, mais ce n'est pas le seul. Aujourd'hui, on a retrouvé ça et on s'est dit, mais ce n'était pas idiot hein, ce qu'il disait. Donc déjà, avoir une bonne connaissance un peu du monde spirituel tel que les pères du désert ont pu nous l'enseigner. Il y a aussi quelqu'un qui est très précieux, ou une formation qui est très précieuse, un exercice spirituel très précieux, c'est avec Saint Ignace de Loyola, hein, vous savez, et les exercices spirituels nous donnent des critères de discernement entre le bon esprit et le mauvais esprit, qui sont très précieux. C'est très bon d'avoir une petite formation que donnent les jésuites sur ce qu'on appelle le discernement des esprits. Et c'est très utile pour savoir discerner les choses. On peut s'appuyer aussi là-dessus. Il y a des gens qui prétendent avoir un charisme de discernement sur ce que vivent les personnes, de voir à travers elles et que Dieu leur donne ça. Ça peut exister, mais à titre personnel, je suis très prudent. C'est pas j'aime bien qu'on s'appuie sur la tradition de l'Église, sur la raison, sur l'équilibre, ce qui n'empêche pas une vraie vie spirituelle et d'avoir une conscience. Mais je suis pas très à l'aise pour des gens qui se prétendent avoir des paroles de connaissance trop directes. Ça ne veut pas dire que c'est faux, hein. Il peut y avoir des paroles de connaissance, j'en ai vu des merveilleuses, extraordinaires, mais il faut quand même qu'on soit un tout petit peu prudent sur le domaine, parce que il faut discerner, est-ce que c'est vraiment un charisme de Dieu ou est-ce que le démon, il ne nous fait pas croire parce qu'on peut avoir un certain pouvoir, et il faut faire attention. Il y a eu des dégâts également qui ont été faits dans ce domaine-là. Alors le travail de discernement, évidemment, c'est un travail difficile. Hein? Alors, pourquoi? Eh bien, parce que finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que quand il y a une action démoniaque sur la personne, en général, le démon passe par les points faibles de la personne, les points faibles de son corps, une maladie, une blessure personnelle, mais aussi de son psychisme. Et finalement, l'action démoniaque, souvent, c'est une sorte d'amplification des phénomènes, finalement, psychologiques. Le démon ne fait pas quelque chose de complètement différent. Souvent, il amplifie les problèmes. Il sert un peu d'amplificateur à problèmes. Finalement, les problèmes de santé, et que ça soit physique ou psychique, deviennent beaucoup plus importants. Et c'est souvent, finalement, on commence à discerner qu'il y a un problème spirituel quand il y a un médecin ou un praticien, peu importe, qui dit que finalement, le mal qu'il connaît, ou la maladie psychologique, ou le problème, finalement sort du cadre. Hein, c'est hors de proportion. C'est souvent à ce moment-là qu'on dit, là c'est vraiment un peu, ça dépasse, quoi. Ça dépasse ce qu'on voit habituellement. C'est quand il y a ces mots qui sont exprimés qu'à ce moment-là, on a une sorte de... On peut dire, là, il y a une suspicion. Je dis bien une suspicion. Il faut aller encore plus loin dans le discernement. Mais on se dit, ah, quand il y a quelque chose, certes, il y a un problème physique, une maladie, il y a un problème psychologique, ça peut être un problème psychologique, mais qu'on sort du cadre, à ce moment-là, il y a peut-être effectivement une pression de la part du diable ou des démons, peu importe. Ceci dit, il faut aussi distinguer les diverses formes d'action du démon ou des démons
Et là, je vais employer les termes. Alors, pour ceux qui ont déjà entendu sur ce sujet, je vous dis tout de suite, parfois, entre nous, enfin, quand je dis entre nous, entre ceux qui s'intéressent à la question, et en particulier, évidemment, les exorcistes, on a parfois, on ne prend pas les mots exactement de la même manière. Alors, ne soyez pas surpris si vous aviez déjà entendu ce mot avec cette réalité. Ce n'est pas les mots qui importent, c'est plutôt le phénomène qui va être décrit. Parce qu'évidemment, souvent, quand une personne vient me voir, souvent, hein, elle me dit « Mon père, je viens vous voir parce que je me sens possédé par le diable », hein, c'est souvent ce qu'on dit. La possession, c'est un phénomène extrêmement rare, et qu'avant la possession, il y a des étapes, si vous voulez. Il y a différents niveaux. Et c'est ce que je voudrais voir avec vous, parce que finalement, la possession, qui est un phénomène très rare et très grave, il y a d'autres formes d'action du démon qu'il nous faut discerner. Alors, c'est là où les termes peuvent peut-être un petit peu changer. Alors, personnellement, moi, parce qu'il y en a qui en voient trois. Moi, personnellement, j'en vois cinq. Enfin, quand je dis personnellement, je ne suis pas tout seul, hein, pour dire ça. Je m'appuie aussi beaucoup sur un. J'ai eu une formation d'un ancien exorciste qui est décédé maintenant du diocèse de Paris, qui m'avait prêté ça, le journal d'un prêtre exorciste. C'est 30 ans d'expérience qu'il a mis dans un. Il a tapé à la machine, hein, c'est encore à l'époque où il tapait à la machine. C'était un vieil homme qui avait une expérience extraordinaire. Qui, avec le père Armotte, si, pour ceux qui connaissent, je vous en parlerai tout à l'heure, ont fondé une association internationale des exorcistes. Un homme remarquable, et il a été un peu mon formateur. Alors, c'est vrai que moi, je m'appuie beaucoup sur l'expérience du père Chenzo. Comme ça, je dis d'où viennent mes sources. Bon. Alors, la première forme, finalement, quand on a une action du démon, la première forme, c'est la plus commune, on la connaît tous. C'est la moins redoutable, encore qu'il faut bien la savoir la maîtriser, c'est la tentation, la fameuse tentation. Et elle peut prendre plusieurs formes. C'est un désir qui vient en nous, on ne sait pas d'où ça vient, ça nous tombe dessus comme ça, qui nous fait vouloir quelque chose que l'on sait objectivement mauvais. On sait que c'est mauvais. Hein, ça peut être une tentation de gourmandise, mais ça c'est facile. Mais ça peut aller plus loin, c'est la tentation de faire du mal à quelqu'un. De calomnier, de voler, de mentir. Alors attention, tentation, c'est pas péché. Parfois, ça arrive, nous, comme prêtres, les gens qui veulent se confesser des tentations. Les tentations, on n'y peut rien. Ça nous tombe dessus. Il y a péché que si cette tentation, on y cède. Tant qu'on ne cède pas à la tentation, il n'y a pas de péché. Nous tous, et tous, hein, à moins qu'on soit Jésus ou la Vierge Marie, on est touché par la tentation. Ça fait partie du combat spirituel que nous avons à mener. Parce que nous sommes marqués par le péché originel, et même si on a été libéré par le baptême, il reste quand même toutes les séquelles du péché originel. Donc, toute tentation n'est pas péché. Et toute tentation ne vient pas du diable non plus. Hein, ça serait trop lui donner d'honneur. Ça vient aussi de notre nature pécheresse, hein, tout simplement. C'est ce que dit Jésus quand il dit que c'est dans nos cœurs que naissent toutes les pensées, les tendances perverses. Hein. Puis il fait toute la liste, vous savez. Il dit bien que c'est pas le diable, hein. Il dit que ça vient dans notre cœur. Donc il ne faut pas non plus, le diable a bon dos, et lui, ça l'arrange bien, vous savez, il ne se fatigue pas toujours. Hein. C'est parfois, on fait bien le travail à sa place, hein. C'est sûr. Donc, mais lui-même, il peut aussi, parfois, eh bien, là encore, en rajouter une couche, si je puis dire. Et lui-même nous mettre en tentation. Hein. D'où le fait de résister à tentation. C'est le fameux « délivre-nous du mal » qu'on a dans Notre Père. Comment traduire ça? « Délivre-nous du mal » ou du malin? Hein. Parce qu'en latin, c'est le même mot. Hein. Mais c'est bon. Ça dépend comment on voit les choses. Mais l'un ou l'autre, je pense que ça revient à peu près au même. Alors c'est sûr que par rapport à cette première tentation, le premier, j'allais dire, stade, le moins grave, le plus banal, eh bien évidemment, il nous faut maîtriser finalement nos passions intérieures. Hein. Et c'est toute la vie spirituelle qui nous apprend à ne pas céder à toutes les tentations qui nous assaillent. Et même une morale purement laïque, vous savez, moi je suis né dans un monde complètement laïque, et je suis de la génération où on avait des cours de morale qui étaient donnés par nos instits, hein, qui n'étaient pas du tout des croyants, mais je reconnais qu'ils nous apprenaient, hein, finalement, ce qu'on apprend aussi dans l'Église, que, bah, il ne faut pas céder à tout ce qui nous assaille. Hein, et peut-être qu'aujourd'hui, c'est un des gros problèmes qu'on a avec beaucoup de jeunes dans notre société, où, bon, peut-être que
la loi morale a peut-être un peu baissé ou elle s'est en tout cas un peu embrouillée et que finalement, il faut pas céder à toutes nos pulsions parce qu'elles ne sont pas toujours très bonnes. Donc ça, c'est une chose qu'on apprend dès l'enfance. Il y a aussi une tentation qui est plus subtile, qui peut prendre l'apparence du bien. C'est ce qu'on voit dans Adam et Ève, vous savez, parce que finalement, Adam et Ève, c'est pas grossier hein, comme tentation. En prenant, vous savez, le fruit de l'arbre de la connaissance et du mal, c'était un fruit qui était séduisant, et Ève dit, il est bon à manger. Quoi. Et ça, c'est une chose également, c'est que, attention dans les tentations, parce que les tentations peuvent paraître parfois bonnes. Et c'est là où on a besoin, j'allais dire, du Christ, de l'Évangile aussi, pour faire le tri, parce que tout ce qui brille n'est pas or, hein. Et je reprendrai tout à l'heure cette expression encore. Et parce qu'effectivement, là encore, il y a des tentations. Autant il y en a qu'on voit tout de suite qui sont mauvaises, il y en a, c'est moins net. Et il faut quand même un petit peu, on vérifie l'arbre à ses fruits, si je puis dire, hein. Et donc, il nous faut faire un discernement. Et en particulier, il y a une chose, c'est est-ce que c'est un fruit qui va demeurer ou est-ce que ça va être un fruit éphémère? Parce que ce qui est un bien qui passe, qui ne va pas durer, c'est rarement un fruit qui vient de Dieu. Voilà. Mais ça touche plus la vie spirituelle traditionnelle, donc je n'insiste pas. Deuxième niveau. Alors là, on est en train de passer un étage, si je puis dire. Là, on est dans le plus brutal. C'est ce qu'on appelle l'oppression démoniaque. Alors, qu'est-ce que c'est que l'oppression démoniaque? C'est une pression psychologique que le démon entretient par une série de manifestations. Et ces manifestations ont pour but de nous déstabiliser et de provoquer de l'angoisse, de l'inquiétude. Alors, vous savez, c'est tous ces bruits étranges. On le voit, par exemple, on en parle, quand on connaît un petit peu ce qu'a vécu le curé d'Ars, on parle du charivari. Hein, il parlait du charivari parce que on entendait du bruit, des cris, des choses qui tombaient dans le presbytère. Les gens, ils mouraient de peur, hein, ils mouraient de trouille en entendant tout ça. Et puis le curé d'Ars, il dit, oh, ben, je vous inquiétez pas, ce n'est que le grappin. Oui, oui, il fait un peu d'esbeauf. Il fait du charivari. Ça n'empêche que c'est quand même impressionnant. Hein. Vous savez, ces objets, c'est les crucifix qui tombent, les choses qui sont retournées. Ça existe. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont fait l'expérience. Il n'y a pas très longtemps, je vous donne un exemple simple. Hein. Moi, je suis dans un hôpital, et puis il y a une infirmière qui vient me voir, qui me dit, je ne sais plus à qui en parler, je ne peux plus vivre dans ma maison. Donc, elle avait quitté sa maison avec femme, enfin, non, ce n'est pas une femme, donc son mari, ses enfants, tout ça, impossible. Et le chat, elle avait même pris le chat parce que le chat, il ne voulait plus être dans la maison. Il y avait plein de trucs et tout ça. Puis, elle avait dit, vous n'allez pas me croire et tout ça, mais vous allez... Je lui ai dit, si, moi, je veux bien. Puis, elle me dit, regardez, et puis avec les téléphones, vous savez, on peut filmer. Alors, elle me téléphone, puis effectivement, on voit les chaises qui se déplacent, les choses qui tombent. Donc, elle avait filmé, mais à qui en parler ? Sans être pris pour une folle, quoi. C'est pas évident, quoi. Alors bon, c'était vite réglé. Hein. Je suis allé faire une petite prière. J'ai repéré, il y avait un petit problème dans sa maison. Il y avait un truc qui n'était pas très clair. Enfin, peu importe. Je vais pas entrer dans les détails. Et les problèmes ont été réglés. Mais vous voyez, cette femme, elle est pas croyante, hein, pas spécialement croyante. C'est ce qu'on appelle les catholiques non pratiquants, c'est-à-dire. Au mieux allant à Noël à la messe. Donc, bon, pas de portée sur la chose, mais ça lui tombe dessus. Alors ça, c'est, voilà. Quel est le but? C'est vraiment nous mettre dans un état d'anxiété, de peur. Voilà. On dort mal, et il peut y avoir aussi d'autres formes. Vous savez, on a des événements qui nous arrivent à des moments, anniversaires. Des accidents qui arrivent. J'ai eu ça il n'y a pas longtemps pour un enterrement où la dame a dit, ben voilà, même jour, un accident de la route, mon cousin, mon père, mon frère, etc. Vous savez, des choses un peu bizarres qu'il peut y avoir, qui finalement mettent dans l'anxiété, finalement. Hein. Et c'est pas toujours facile à pouvoir finalement parler de ça. Parce que à qui en parler? Même à un prêtre, hein, parce qu'il y a eu des expériences où le prêtre, ben, il n'est pas forcément... Vous savez, on n'a pas de formation sur le domaine, malheureusement. On n'a pas de cours là-dessus, hein, très très peu. Et le prêtre, ben, il dit, vous êtes sûr que ce n'est pas psychologique? Puis on sort très blessé parce que ben, les gens qui le vivent, ils le vivent jusqu'à l'angoisse et jusqu'à en tomber malade parfois. C'est le deuxième niveau. Troisième niveau, on monte encore de niveau, si je puis dire, plus grave, c'est ce qu'on appelle l'obsession démoniaque. L'obsession démoniaque.
Alors, contrairement au niveau précédent qui touche surtout des choses extérieures à soi, c'est des objets, c'est des événements, des choses comme ça, là, c'est plutôt des attaques intérieures à la personne, souvent brutales, continuelles, des pensées obsessionnelles, vous voyez, qui arrivent, parfois qui peuvent aller jusqu'à l'absurde, et dont la victime, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que victime, n'arrive pas à se débarrasser. La personne qui vit ça, vit souvent dans un état qui finit par la mettre dans un état de prostration. Moi, j'ai vu des gens qui étaient vraiment comme en état, vous savez, couché en foetus, hein, vous voyez, un petit peu comme ça, vraiment des gens qui... Ça finit, vraiment, on se replie sur soi-même, hein, on se replie, on est dans un désespoir, avec des envies de suicide. Et le cas le plus fréquent, c'est aussi doublé ce genre de personne ne supporte pas tout ce qui est religieux. Supporte pas la vue d'un crucifix, de quoi que ce soit. Pire encore, c'est l'hostie, les choses comme ça. Alors là, il y a une sorte de détestation de tout ce qui est religieux, une sorte de rejet, et aussi un envahissement de pensées vicieuses. Vous voyez, j'insiste pas trop. Qui aussi des souvenirs douloureux qui reviennent sans cesse en tête, qui sont là pour vous accabler, etc. Bon. J'ai vu également, ça c'est plus personnel, hein, mais je l'ai constaté souvent, donc je le dis, beaucoup ces gens-là, quand ils arrivent à un certain stade, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, ça s'aggrave, comme une maladie on pourrait dire, des gens qui ne supportent plus la lumière. J'ai vu des gens qui, la lumière, ça leur devenait insupportable, un besoin de vivre dans le noir. Et ça peut aller jusqu'à des phénomènes physiques, sur le corps physique, qui sont souvent transitoires, qui arrivent par exemple une nuit. Ça, je l'ai vu aussi personnellement. Par exemple, j'ai déjà vu des gens avec des griffures la nuit, vous voyez, dans le dos, mais des griffures pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais vous voyez, comme si c'était de l'intérieur, c'est-à-dire c'était bombé, vous voyez, comme si des choses comme ça. Et les gens en souffrent, hein, ils ont mal, quoi. Et ça fait très peur, pas simplement à la personne, mais ça fait très peur aussi à l'entourage. Puis ça disparaît. Vous voyez, on est dans un truc bizarre. Voilà. Et puis aussi, une chose, c'est des auteurs pestilentiels. Vous voyez, des gens qui, tout à coup, se mettent à émettre des odeurs, mais épouvantables. Même en ouvrant les fenêtres, on n'y arrive plus, quoi. J'ai même vu ça une fois chez un très jeune enfant qui avait un vrai problème, et c'était impossible d'être... Il y avait, à certains moments, hein, normal, il se lavait normalement, ce jeune, et des moments, il émettait des sortes d'odeurs, mais vraiment de putréfaction, quoi. Bizarre, hein, très bizarre. Alors ce niveau-là, le troisième niveau, c'est un niveau qui est très difficile à discerner, parce que là, vous vous rendez compte que là, on est parfois dans des approches psychiatriques, et que là, le discernement entre le psychiatrique et le spirituel, il est très délicat. Là, c'est un niveau, il est idéal de se faire aider par un professionnel de la psychiatrie, non pas pour, je vous ai dit, souvent c'est les deux, hein, qui cohabitent, hein, mais alors parfois plus le spirituel et moins le psychiatrique, et plus parfois plus le psychiatrique et moins le spirituel, c'est pas 50-50 aussi, hein, mais c'est un niveau qui est difficile à discerner. Quatrième niveau, on passe, c'est celui qu'on appelle les vexations. Même si le mot paraît peut-être moins fort, et pourtant, c'est un niveau qui est... Alors celui-là, il est très rare. Personnellement, je ne l'ai quasiment jamais rencontré, mais j'en ai entendu parler. Des amis psychiatres m'en ont parlé, exorcistes m'en ont parlé, mais à titre personnel, je ne connais pas ce niveau-là personnellement, hein, je veux dire. Alors ça touche, on a surtout ça, on voit ça chez des saints, il y a des témoignages de saints. Vous savez, c'est un peu comme Marthe Robin, pour ceux qui savent qui elle était, une femme qui était paralysée, qui ne bougeait plus, et qui était projetée hors de son lit, qu'on retrouvait, qui avait des coups, etc. Le Padre Pio, qui était flagellé, ou Saint Paul de la Croix, etc. Un certain nombre de saints qui ont sont molestés physiquement, etc. Voilà, c'est des sortes d'humiliations physiques, et alors là, c'est une sorte d'attaque, et puis voilà, c'est pas maîtrisé, quoi. Et enfin, le dernier niveau, c'est le plus grave, le plus rare, mais c'est le plus médiatisé, évidemment, c'est la fameuse possession, hein, possession diabolique, qui peut avoir plusieurs formes.
La personne est comme habitée, on pourrait dire, par un démon. Mais attention, ce n'est qu'une façon de voir. On n'est pas, le démon n'a pas la possibilité d'entrer en nous. Il agit sur la personne. Il agit comme un marionnettiste, si vous voulez, hein, c'est-à-dire un peu de l'extérieur. Mais on peut avoir l'impression que ça vient de l'intérieur. C'est vrai que ça donne cette impression-là, parce que c'est le moment où le démon, les démons, parce qu'ils peuvent être plusieurs, ou parfois même Satan, mais c'est plus rare, agit sur les cordes vocales, agit sur le physique. Hein. C'est un moment où même l'individu peut changer d'aspect. Alors, moi, je n'ai jamais traité ces cas-là, mais j'ai assisté à des grands exorcismes avec des gens qui ont subi ce genre de choses. C'est très impressionnant, vous imaginez bien. Et cela ressemble beaucoup à la schizophrénie. Pour avoir aussi été avoir un petit peu travaillé dans un hôpital psychiatrique à un certain moment. C'est vrai que parfois, ça surprend, hein, ça ressemble beaucoup. Mais je vais vous dire, il y a des critères qui permettent de discerner, hein. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression d'un dédoublement de la personnalité ou d'un émiettement de la personnalité. Parce que parfois, c'est tel individu, on va dire, puis après un autre, ça change de voix, d'aspect, enfin, c'est très... Comme si la personnalité, elle ne savait plus où elle en était, quoi. Hein. Et là, il faut faire vraiment un discernement aussi qui est très fin. Alors, quels sont finalement les points que l'Église, finalement, a repérés dans le temps et qui sont donnés aux exorcistes pour pouvoir distinguer entre un schizophrène et quelqu'un de possédé? C'est en réalité, il y a trois critères qu'on trouve généralement tous les trois. C'est très rare, parfois il y en a deux, mais souvent on les trouve tous les trois. Le possédé a des forces qui dépassent la nature. On les voit faire, ils sont capables de lever des buffets entiers à bout de bras, ce qui serait impossible, ce serait des monsieur muscles incroyables ou madame muscles. Hein. Vous voyez, ils sont, ou alors repoussés, parce que souvent quand il y a des exorcismes, il ne faut pas imaginer que l'exorciste est tout seul. Hein. Il y a des gens avec lui, hein, parce que il peut y avoir des manifestations sportives, hein, si je puis dire. Et ils ont des forces incroyables. Alors quand on voit des forces qui dépassent de l'ordre de la nature, là on se dit, ah, là on n'est pas, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du spirituel. Le possédé également fait preuve de connaissances qu'il est incapable d'avoir. Il connaît certains secrets sur les personnes, très désagréable, parce que ça, je l'ai vu plusieurs fois. Et il vous dit tous vos péchés, hein, il a accès à tous vos péchés. Alors, vous avez intérêt à être plutôt... parce que ça va être mis sur la place publique, enfin, au moins pour ceux qui sont là. C'est très, très désagréable, ça, je peux vous dire. Bon, c'est des trucs, des viols, finalement, de notre intimité. Nous sommes violés intérieurement parce que Dieu ne permet pas ça. Hein, je fais de temps en temps des conférences sur la voyance. La voyance ne peut pas venir de Dieu parce que Dieu ne permet pas qu'on accède. Nos péchés, ils sont, voilà, c'est dans le secret de l'intimité. Là, ça nous met sur... voilà. Mais aussi des choses, des connaissances qu'on ne peut pas avoir sur tel ou tel événement, etc. Vous voyez, des connaissances que la personne va exprimer qu'elle ne peut pas avoir. Non, on sait que, ou des choses très, très lointaines. Troisième critère, que c'est un cas de possession, c'est lorsque la personne se met à parler en langue qu'elle ne connaît pas, des langues étrangères. Alors c'est souvent, ce que j'ai vu, en tout cas moi ce que j'ai vu, c'est beaucoup du latin. Alors moi qui n'ai pas fait beaucoup de latin, mais les vieux prêtres, nos vieux exorcistes qui ont bien étudié le latin, comprennent un petit peu. Bon, on sait que c'est du latin ou c'est grec, mais parfois ça peut être de l'anglais, ça peut être de n'importe quelle langue, dont on sait évidemment que la personne ne parle pas, parce que si la personne parle cette langue-là, ce n'est pas un critère. Donc c'est la personne qui va se mettre à parler de langues qu'on peut identifier évidemment, hein, mais qu'elle n'est pas censée connaître. Donc c'est ces trois critères-là, qui sont souvent ensemble hein, d'ailleurs, qui permettent de dire, attention, cette personne-là effectivement manifeste des signes de possession. Bien entendu, si un prêtre, ou parfois c'est un laïc hein, qui peut avoir... peut traiter les trois premiers niveaux dont j'ai parlé. Enfin, la tentation, je mets à peine, parce que là, c'est plutôt dans le sacrement de... Voilà, c'est plutôt chacun, on va dire, les deux premiers niveaux. Hein. Là, évidemment, le cinquième, hein, celui de la vexation et celui de la possession, évidemment, un simple prêtre ne peut pas traiter ces cas-là. Il faut obligatoirement que ça soit pris en charge par un exorciste. Et donc ça, je vais vous en parler tout à l'heure pour vous dire exactement ce qu'est un exorciste. Alors, maintenant, simplement, quand il y a une personne, finalement,
on fait un travail, je vous ai parlé tout à l'heure, d'un travail de discernement. Alors, à quoi ça consiste? Eh bien, il est nécessaire donc de faire, je vous l'ai dit, le tri entre le psychologique et le spirituel. Bon, pour cela, il faut prendre des temps d'écoute. Et ça déçoit parfois les gens. C'est que quand les gens viennent, ils ont un problème, ils voudraient qu'on règle le problème très vite. Et on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'il faut d'abord prendre le temps d'une longue, d'un état des lieux. Et il faut l'accepter. Il faut accepter qu'on ne peut pas régler, c'est pas de la magie, hein, on ne vient pas avec la baguette magique. Donc, ça prend un certain temps de devoir finalement prendre ce temps-là, d'essayer de trouver ces critères qui permettent de confirmer ou de ne pas confirmer, parce que ça peut arriver, et il faut l'accepter, que les gens qui pensent avoir un problème spirituel avec le démon n'en ont pas finalement. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire aux personnes, je suis désolé, hein, et pourtant, je vous assure que ce n'est pas de la mauvaise volonté. Vous pensez que vous avez un problème avec des démons ou un problème spirituel, mais non. Non, je ne vois pas de critère qui permet de le confirmer. Vous souffrez intérieurement et vous avez besoin de quelque chose d'autre. Vous avez besoin de prières de consolation, vous avez besoin d'un tas de choses comme ça. Mais non, il n'y a pas besoin de faire un exorcisme ni de prière de délivrance. Il faut le savoir. Et il faut être suffisamment honnête pour ne pas forcément encourager les gens dans ce qu'ils pensent. Parce que souvent, ils viennent avec le diagnostic déjà tout fait, quoi. Un peu comme quand on va voir le médecin, on dit « voilà, j'ai une grippe ». Attendez, dites-moi d'abord, je vais vous dire si c'est une grippe. Mais là, c'est un peu la même chose. Il faut accepter de partir au départ et de ne pas forcément donner la réponse tout de suite. Et le travail, il n'est pas simple, hein, c'est de dire, bah, on doit trouver les discernements. Bon, alors quels sont ces signes? Bah, déjà, on sent qu'on est dans l'ordre spirituel lorsqu'il y a une aversion pour les valeurs religieuses. Ça, déjà, on n'est pas dans du, on est plus dans du spirituel que dans du psychologique, ça, vous le comprenez bien. Et puis aussi, quand il y a des gens qui nous disent qu'ils appartiennent à des groupes ou à des sectes, évidemment, qui peuvent être un peu limites en choix, voilà. Alors là, il faut faire attention. On parlait tout à l'heure, on avait un repas, on parlait des gothiques. Vous savez, ces jeunes qui sont habillés tout en noir. Un gothique n'est pas forcément un sataniste, hein, loin de là. Et il y a des gothiques, vous savez, qui n'ont aucun rapport. D'ailleurs, eux-mêmes ne se définissent pas comme satanistes, ils se définissent comme des gens qui sont dans un, vous savez, des héritiers de tous les romantiques. Donc le romantisme, c'est le sombre, le noir, le spleen, etc. C'est un état. Alors, les apparences sont parfois trompeuses. Donc il faut pas, même chose pour des jeunes qui vont écouter du métal. Moi j'ai eu l'occasion pour mon dernier livre, qui n'est pas ici, mais de beaucoup fréquenter la musique métal, vous savez, le dark metal, le black metal, etc., etc. J'ai vu des gens tout à fait équilibrés et normaux là-dedans et pas tellement de satanistes. Et eux, ils ont horreur des satanistes quand il y a des gens qui jouent avec le diable parce que c'est pas leur... Vous voyez, c'est pas si simple, hein, je veux dire. Hein. Vous voyez? Bon, je continue. Donc, par contre, il y a des gens qui vont dire, ben voilà, j'ai fréquenté tel groupe ou j'ai fait telle expérience. Là, suspicion que là, on a un problème. Et enfin, Paul VI nous avait donné quelques références qui sont devenues adoptées par tous les exorcistes. Je vous le dis, ça vient de Paul VI. Lui, il dit, il y a un problème spirituel quand il y a une négation de Dieu qui est exprimée de manière radicale, une haine farouche du Christ, quand il y a un mensonge qui s'affirme contre une vérité évidente, on s'enferme dans le mensonge, hein, et on n'est pas capable d'en sortir. Quand il y a un amour étouffé par un égoïsme froid et cruel, alors là, il faut encore faire parce qu'il y a du psychologique aussi, bien sûr, hein, mais voyez un petit peu quand il y a, hein, on devient, voilà, l'amour est étouffé par, on devient un monstre d'égoïsme, quoi, je puis dire, hein, et cruel aussi. Et puis l'orgueil de l'intelligence, ça, il l'a pas dit, mais il l'a dit à un autre moment, je le rajoute, c'est quand il y a, ça je l'ai vu beaucoup, un orgueil de l'intelligence et une volonté de puissance dominatrice, hein. Et puis aussi, quand le désespoir est présenté comme la seule perspective, il y a des gens qui s'enferment dans le désespoir. Ça peut être, ça n'est pas suffisant, hein, mais ce sont des signes qu'on a affaire à un problème spirituel et pas simplement psychologique. Ce ne sont que des indices. Et il faut donc regarder la personne dans tout son contexte, et en particulier son contexte spirituel, ce qu'elle peut vivre. Aussi, si elle manifeste, vous savez, il y a parfois des gens qui disent « Ah, moi j'ai des dons, je sens des choses sur les gens, etc. » Oula, là, pour l'avoir vécu personnellement,
je me méfie parce que Dieu ne permet pas à ce qu'on puisse avoir accès à ce qu'est la liberté et l'intimité des gens. Alors déjà, quand on manifeste ça, suspicion. Alors ce ne sont que des suspicions raisonnables, hein, bien évidemment. Ça ne suffit pas, il en faut un certain nombre pour dire « oui, là il y a un problème, on va s'y attaquer ». Et puis enfin, il y a même parfois des phénomènes paranormaux, j'en ai un petit peu parlé, qui sont souvent des signes assez nets que nous avons affaire à un problème qui est de l'ordre spirituel. Vous allez peut-être être étonné, mais la première chose à faire quand on discerne ça, et ça déstabilise souvent les gens, c'est de dire, vous savez, on ne va pas faire de... Ce n'est pas un exorcisme dont vous avez besoin tout de suite, ou de prière de délivrance, vous avez besoin d'une confession. Il faut commencer par le sacrement de réconciliation. Ça ne sert à rien sinon, on va chasser un démon, il va revenir aussi sec. Parce qu'il faut d'abord faire du ménage. Il faut remettre la vie en ordre. Et l'Évangile le dit aussi, hein, ça ne sert à rien de chasser un démon et de remettre en ordre parce qu'il revient avec sept pires. Hein, il y a ça dans l'Évangile, hein, à un moment, dit Jésus. Et c'est vrai. Et donc, le premier travail avant de faire quoi que ce soit, c'est d'aider les personnes à renoncer, par exemple, à des pratiques mauvaises. Les gens peuvent être très attachés à des objets, des gris-gris, tout ça. C'est leur dire, il faut s'en débarrasser. Ah non, je veux garder mes pierres de touche, je veux garder mon piège à démons, enfin, je sais pas quoi. Enfin, tous des objets, dire, oui, mais il faut savoir ce que vous voulez. Vous voyez? Et puis, il faudrait aussi, l'idéal, c'est d'avoir une vie aussi qui soit une vie la plus, j'allais dire, paisible possible, la plus ordonnée, mais dans le bon sens du terme. Hein. C'est pas l'ordre et la discipline militaire hein, qu'on dit. C'est simplement que ce soit le choix du bien. Le choix de la paix, etc. Ce qui est le plus important dans ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu pratiquer également, c'est la confession. C'est ce qui permet vraiment. Ça ne suffit pas, mais c'est le point de départ obligatoire. Enfin, pour moi, sinon, ça ne sert à rien. Au départ, je ne me rendais pas compte. Alors, je disais, là, je voyais des choses. Allez, on va faire des prières de délivrance. On faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et puis mais pourquoi ça revient tout le temps? Puis après, je me suis dit, mais ça ne sert à rien, parce que c'est ce qu'on appelle les portes ouvertes. Il y a des portes qui sont ouvertes, il y a des lieux de passage qui n'ont pas été refermés. Il faut d'abord refermer les lieux de passage. Ça, c'est quelque chose de très important. Ma troisième question, j'espère que je ne vous assomme pas avec tout ce que je vous dis, ça va? Vous arrivez à me suivre? Bon, c'est bien. La troisième question, c'est finalement, qu'est-ce que c'est qu'un exorciste? Et quelle est la différence? Parce qu'on entend prière de délivrance et exorcisme. Alors, quelle est la différence entre les deux? Souvent, on n'arrive pas à voir la différence. Vous inquiétez pas, ça sera plus rapide que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Hein. Qui a le pouvoir de chasser les démons? En réalité, ce sont les apôtres. Et ça pas simplement les apôtres, c'est aussi leurs successeurs. L'exorciste par excellence, c'est l'évêque. C'est lui l'exorciste. Parce qu'il a la plénitude du sacrement de l'ordre et qu'il est successeur des apôtres. Parce que remarquez bien, Jésus a donné le pouvoir de chasser les démons aux apôtres et donc à leurs successeurs. Pas aux prêtres, en réalité. Mais l'évêque ne peut pas tout faire et souvent délègue une personne, délègue un prêtre et lui donne le pouvoir d'exorcisme. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, c'est demandé, il y avait une époque, il n'y avait pas, maintenant il y a, dans chaque diocèse, il y a un prêtre nommé grand exorciste, à qui l'évêque donne le pouvoir d'exorcisme, son pouvoir. Hein, il délègue le pouvoir d'exorcisme. Je dis, ça c'est un... Donc ce qui fait que quand le prêtre n'a plus arrête son ministère, il ne peut plus exercer, parce qu'il doit être confié à quelqu'un d'autre, ou c'est l'évêque. Et souvent, alors il choisit, comment il choisit un exorciste? Souvent il choisit quelqu'un qui, il vaut mieux quelqu'un qui a une bonne vie spirituelle. Je vous ai dit, quand on fréquente les démons, c'est aussi des petits violeurs de l'intimité, excusez-moi l'expression. Une vraie efficacité, elle est aussi liée à la vie spirituelle de l'exorciste. Il faut le reconnaître. C'est pas comme un prêtre, vous savez, même si un prêtre est pécheur au dernier degré, quand il dit la messe, hein, ça le dépasse. Ex opere operato, comme on disait, hein, c'est-à-dire ça. Voilà. Là, dans l'exorcisme, qui n'est pas un sacrement, c'est un sacramental, c'est un petit peu différent, c'est un petit peu le niveau en dessous, il vaut mieux prendre des prêtres qui sont, qui ont une bonne vie spirituelle, puis qui soient équilibrés surtout, hein, parce que on voit des drôles de trucs quand même. Hein. Il vaut mieux avoir les pieds sur terre. Hein. La tête dans le ciel, mais les pieds sur terre. C'est un peu ça qui est important. Il existe un document que vous ne pourrez pas acheter
comment dire, dans le commerce, parce qu'il ne se vend pas. C'est le rituel du grand exorcisme, ce qu'on appelle le grand exorcisme, qui normalement, en rigueur de terme, doit être dans un coffre fermé à clé. Hein, il ne doit pas être à la portée de tout le monde. Non pas qu'il y ait des choses extraordinaires, parce que quand on le regarde, finalement, ça ressemble à d'autres, vous voyez, c'est des prières, hein, c'est une série de prières. Simplement, elles sont un peu particulières, alors elles ne doivent pas être circulées. Il y a une méfiance par rapport à la curiosité, et puis, bon, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc, même l'exorciste qui reçoit ça, il va pas lâcher dans le commerce, on lui remet, c'est un rituel. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, on a sorti un petit rituel pour nous, les prêtres et les autres, qui s'appelle protection, délivrance et guérison. Enfin, c'est très un niveau très 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 simple. Mais c'est vrai que comme les prêtres ne savaient pas comment faire, on demande de faire des prières de protection, des prières de délivrance et de guérison. Il y a eu la bonne idée d'avoir, on a maintenant un tout petit rituel qui est fait pour nous, qui permet de faire des prières de protection, des prières de délivrance aussi, qu'on appelle les petits exorcismes, et de guérison. Ça, vous pouvez le trouver dans le commerce. Mais vous ne trouverez pas, évidemment, celui qu'on appelle le grand exorcisme, bien évidemment. Alors souvent, un exorciste ne travaille pas seul. Il y en a hein, qui travaillent seul. Mais souvent, il y a une équipe avec lui. Une équipe de laïcs, ce sont des laïcs. Il peut y avoir aussi des religieux, des religieuses, ou d'autres prêtres. C'est faire une première, parce que, si vous voulez, on réserve pour l'exorciste, on fait tout le travail des coups, de discernement, c'est à partir des critères que je vous ai donnés. Puis après, on oriente les gens et ensuite, sinon l'exorciste, il fait tout, il fait que ça 24 heures sur 24. J'avais un ami exorciste du diocèse des Vosges. Vosges, c'est pas un grand département, qui me disait qu'il avait calculé le nombre d'appels qu'il avait par jour en moyenne. C'est une moyenne, hein, bien évidemment. Il m'avait dit, j'ai 46 appels par jour en moyenne. Vous pouvez pas vous imaginer le nombre, hein. Bon, il avait une bonne réputation aussi. Hein. Il n'est plus là, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Il a changé de diocèse depuis. Bon. Voilà. Et puis également, il est très souhaitable, et ça se fait, de travailler avec un psychiatre. On ne le sait pas, mais souvent, l'exorciste travaille avec un psychiatre. Les psychiatres assistent également, chrétiens ou non chrétiens, la limite, peu importe. C'est souvent des chrétiens, il faut le reconnaître. Mais je trouve que ça rassure de savoir qu'on a parmi nous un psychiatre qui permet aussi de relire, puis de voir en disant « attention, là, on tombe dans de l'hystérie ». Enfin, ça aide. Et donc, il ne faut pas imaginer que c'est quelque chose qu'on fait comme des sortes de cow-boys, hein, qu'on va tirer sur les démons comme ça. Non, ça se fait de manière assez précise, avec vraiment une équipe formée. Hein. Et donc, les exorcistes ont eux-mêmes des formations, ils ont des colloques entre eux, il y a aussi des fédérations. Il y en a une qui s'est beaucoup développée, qui n'est fondée qu'en 1990, donc c'est pas si vieux que ça, ça a 25 ans, hein, qui a été fondée par un certain, qui a fait beaucoup parler de lui, vous l'avez peut-être déjà entendu parler, c'est Don Gabriel Amort, hein, qui était un des grands, il était à Rome, hein, c'était donc un des exorcistes du Vatican, qui avait écrit ce petit livre, dont voilà la traduction, hein, qui date maintenant, Un exorciste raconte, qui a fait une vraie bombe dans l'Église, parce qu'il a raconté ce qu'il vivait. Et à partir de là, on a pris conscience qu'il y avait une réalité, parce que vous savez, on était un petit peu... Moi j'ai fait mes études au moment où il a écrit ce livre, et donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer, parce que j'ai fait mes études à Rome, et c'est vrai que... Il y avait une sorte de pudeur ou de tabou, hein, c'était très tabou à l'origine, et lui a permis de sortir un peu du tabou, et il a fondé avec le père Shenso, qui était un petit peu moins celui qui m'a un peu formé, donc qui est parisien lui, hein, sont décédés tous les deux, dont le père Armand il n'y a pas longtemps du tout, ils ont fondé une association internationale des exorcistes, qui regroupe à peu près hein, 250 exorcistes à 300 exorcistes de 30 pays différents. Et ils ont des sessions, ils se forment. Vous voyez, c'est pas... Je vous dis tous ces détails pour vous dire, c'est sérieux. C'est pas quelque chose qui est fait comme ça à la va-vite. Hein? Voilà. Alors, et puis je vous ai parlé également de à Rome. Hein, donc, il y a une sorte d'université, on va dire, d'une académie qui est faite pour former les exorcistes. Et depuis peu, puisque c'est Benoît XVI qui l'a fondée. Donc, seul le prêtre exorciste est à... Alors, est-ce que seul l'exorciste, finalement, peut
exercer ce qu'on appelle le ministère de délivrance. Évidemment pas. On ne s'en rend pas compte, mais tout prêtre peut faire, et même parfois des laïcs, s'il a un mandat, j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'on ne se donne pas soi-même une mission, surtout dans l'Église. Pourquoi ? Parce qu'on engage l'Église. Et la vraie force, ce n'est pas d'y aller à titre personnel, mais d'avoir la force portée de la communion de l'Église, la prière de l'Église qui va vraiment qui va permettre vraiment cette délivrance de la personne qui en a besoin. J'insiste beaucoup. Donc ça peut être des prêtres. Tout prêtre peut exercer le ministère de délivrance. Malheureusement, on n'a pas une grosse formation là-dessus. Il y a des pays où on le fait énormément. Je vois en Italie, voilà, il y a des exorcismes, en veux-tu, en voilà. En France, très peu, on en parle très peu. Mais tout prêtre peut faire ce qu'on appelle des prières de délivrance. Il est bon quand même que alors il n'a pas besoin d'un mandat spécial, il n'a pas besoin de demander la permission à l'évêque. Il ne demande à l'évêque une permission que s'il va faire un vrai exorcisme, parce qu'on peut être exorcisme, ce qu'on appelle ad actum, pour un acte. C'est-à-dire, même si on n'est pas un grand exorcisme, l'évêque peut dire, pour cette personne-là qui en a besoin, je te donne le pouvoir d'exorcisme, le temps d'un exorcisme. L'exorcisme en lui-même, je vais surtout, moi, non pas parler du grand exorcisme, parce qu'on va, là, on est dans quelque chose qui va nous dépasser, mais je vais vous parler plutôt des prières de délivrance, celles que vous pouvez connaître, ou peut-être aider des personnes à pouvoir finalement à faire ce genre de choses. Alors, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est qu'une prière de délivrance ? C'est à la fois une prière et c'est à la fois des gestes qui sont posés. Hein ? C'est des gestes et des paroles. Alors, il y a deux sortes de prières, je tiens à vous le dire tout de suite. C'est un peu technique, mais vous allez voir, c'est quand même important de le savoir. Il y a des prières qu'on dit déprécatives, c'est-à-dire que c'est des prières où on s'adresse à Dieu pour libérer la personne. Et ça, c'est la prière de délivrance qu'un prêtre peut faire, ce qu'on appelle la prière déprécative. On demande à Dieu de dire « délivre cette personne » ou à Jésus « délivre cette personne de l'oppression dans laquelle elle vit », etc., etc. Qui s'oppose finalement à d'autres prières, mais qui là sont réservées à l'exorciste, uniquement, qu'on appelle les prières imprécatives. Ce sont des formules où on s'adresse directement au démon. Hein, c'est « vade retro satanas », mais ça je veux dire en plaisanterie parce que c'est pas ça. Hein, c'est « démon, sors de là, libère la personne, va-t'en », où on s'adresse directement au démon. Mais ça est réservé uniquement à l'exorciste. Et si vous entendez ça dans le cadre d'une prière de délivrance, c'est bien et c'est pas... Alors, il y a des possibilités quand même pour certaines prières, mais en général, une prière de délivrance, on demande à Jésus de faire un acte de libération. Donc ça, je vous le dis parce que c'est quand même une chose importante à savoir. Alors, pour que finalement cette prière puisse vraiment libérer la personne, eh bien, ça dépend quand même d'un certain nombre de choses. D'abord, c'est important que la personne qui a besoin de cette prière soit un minimum active, ou participante, ou qu'elle veuille bien. Ça arrive souvent que des gens viennent me voir en me disant « Bon, ben là, il y a une personne qui veut pas, etc. Est-ce que vous pouvez faire une prière de délivrance pour elle ?» Difficile. Difficile, parce que si elle ne le demande pas, on ne peut pas sauver une personne sans son ni la sauver, ni la délivrer, ni la guérir. Il faut qu'elle ait un minimum de bonne volonté. Même s'il n'y croit pas à fond, il faut quand même qu'elle le demande. Alors, heureusement, il y a quand même la communion des saints. Donc, dans la communion des saints, on peut prier pour la personne et prier pour une délivrance de la personne. Mais vous voyez bien, l'idéal, évidemment, mais on ne peut pas demander à la personne de venir si elle ne veut pas venir, quoi. Et on ne peut pas faire à distance une prière de délivrance pour une personne qui n'en veut pas. Ce n'est pas possible. La liberté est quand même une des choses fondamentales. Donc ça, c'est une... S'il n'y a pas de demande, s'il n'y a pas de volonté, si la personne est fermée, pas grand-chose à faire, malheureusement, que de la convaincre de s'ouvrir. Et dans la communion des saints, parce que ça, il faut y croire, ben, on prie pour cette personne, pour qu'elle s'ouvre. Bon. Deuxième chose, il faut que cette personne reçoive aussi, je vous l'ai dit, donc je ne réinsiste pas, le sacrement de réconciliation si possible, et rejette les pratiques mauvaises.
hein, en particulier si elle a fait de l'astrologie, de la magie, est allée voir des voyants, a pris des objets. Vous savez, en ce moment, c'est la grande. Voilà. J'ai retrouvé, bon, c'est un peu dépassé là, on vend aussi. Ça, c'est un rituel de magie, de sorcellerie, comment envoûter, etc. Alors, ils mettent quand même en garde, ils disent attention, c'est dangereux, etc. Mais alors, on croit que c'est de la faribole, mais malheureusement, non. Parce que quand on demande aux démons, ils ne demandent pas mieux hein, d'agir. Donc, vous voyez, c'est. Alors, même s'ils disent prière pour demander l'aide de puissance supérieure, mais quelle ? Alors, quand on voit, il y a des noms, les vertus de Zeboatot, Kéteriel, Gézod, tout ça, c'est des noms de démons, quoi. Hein. Alors, ils ne le disent pas, etc., etc. Hein, donc, attention, ça, c'est, ça existe hein, dans le commerce. Attention, on croit que c'est pour rigoler. Ça ne fait pas rigoler du tout quand on met son doigt dans cet engrenage-là. Donc, quand une personne était ça, il faut s'en libérer. Et donc, il faut aussi ce qu'on appelle couper les liens. Couper tous les liens qu'on a avec un astrologue, avec un voyant et avec des pratiques. Et si on a des objets, il faut les enterrer ou les brûler, il faut s'en débarrasser. Et c'est seulement à ces conditions-là que la personne peut être vraiment libérée. Et puis, il y a autant de célébrations, il faudra faire plus d'une célébration de délivrance en général, enfin, c'est en fonction de la gravité. En général, quand il y a un problème dans la maison, vous savez, c'est le deuxième niveau, quand il y a un problème dans les maisons hantées, tout ça, souvent, pas toujours, parfois, un bon passage, bénédiction de l'ordre avec de l'eau exorcisée, du sel exorcisé, tout ça. Et puis on demande aux personnes de faire attention, de prier ensemble, etc. Généralement, ça va assez vite. Ça dépend des cas. Parfois, non. Parfois, pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir, c'est simplement un peu plus compliqué que ça. Mais pour des gens qui ont, vous savez, qui sont dans, je vous ai décrit un certain nombre de niveaux, jusqu'à des niveaux auxquels on peut pas dépasser. Hein. On peut pas faire ça pour des gens possédés, mais c'est très rare, hein, des gens possédés, très très rare. Mais des gens qui ont des obsessions ou des infestations, tout ça, une prière ne suffit pas. Hein. On est parti pour tout un circuit. Et donc ça, il faut aussi accepter qu'on parte pour un long parcours. Alors, la manière de pratiquer ces prières de délivrance, évidemment, c'est aussi important de la part de celui qui commence. C'est un peu un défaut qu'on a au départ. Par exemple, quand on est prêtre, un prêtre qui n'a jamais fait ça, qui fait ça pour la première fois, presque inconsciemment, il va chercher à savoir si ce qu'il fait, c'est vraiment une prière de délivrance. Il va chercher les signes. Ah, est-ce qu'il va y avoir des réactions ? Est-ce que la personne va se mettre à crier, à bouger, etc. Or, il ne faut surtout pas chercher des signes visibles. Parce qu'en général, il n'y en a pas, ou peu, ou en tout cas certainement pas au début. Et surtout pas vouloir les provoquer. Et si jamais la personne, parce que ça arrive hein, à bout d'un certain temps, qu'il peut y avoir, moi j'ai assisté à des prières de délivrance, hein, qui sont où il y a des gens qui se mettent, comme on voit dans des films, hein, certes, les gens qui se mettent à parler, à crier, à insulter avec des voix bizarres, etc., surtout pas chercher à rentrer en dialogue avec le démon. On ne parle pas avec les démons. Jamais. Et c'est une très grave erreur, parce que les démons sont là aussi pour déstabiliser celui qui fait la prière. Je vous ai dit tout à l'heure, ils singent et font de l'esbrouf. C'est pour nous déstabiliser. Moi, je me souviens, le Père Chenceau, parce qu'au départ, la première fois que j'avais fait ça, je lui ai dit, vous savez, ça ne marche pas du tout, hein, Père Chenceau, ça ne marche pas, la personne, elle s'est endormie. Elle m'a dit, elle s'est endormie, c'est le premier signe. Je lui ai dit, ah bon ? Je croyais que la personne, puis elle a dit, oh, j'ai bien dormi. Au bout de 5 minutes de prière, elle m'a dit, ça, c'est un signe fort. Ah bon ? Oui, bah, il faut comprendre, c'est de la chasse. Hein. Et donc, les démons, ou le démon ne veut pas être chassé. Alors, il se cache. Et il ne veut pas que la personne entende. Et donc, elle endort la personne. Ça, c'est un signe presque. Donc, on est un peu déçu parce que finalement, on prie, puis on voit la personne en train de ronfler bien tranquillement. Et en réalité, c'est un signe fort. Et c'est vrai qu'après, il m'a dit, continue, continue. Au contraire, parce que là, le fait qu'elle s'endorme, c'est pas rassurant. Et donc, à ce moment-là, il dit, continue. Et c'est vrai que je pense à un cas précis où après, on est allé dans des choses qui ont été très impressionnantes, hein, évidemment, mais il faut surtout pas. Et il me disait quand il y avait ces choses-là, il disait tu regardes et tout ça. Ben, je dis bah oui quand même. Hein. Ben, il dit il faut pas regarder.
tu te concentres. Tu entres dans la prière de l'église, c'est des singeries, ça ne t'intéresse pas. Toi, tu fais, voilà, tu pries Jésus, tu pries pour la personne et tu as une sainte indifférence à ce qui se passe. Tu ne t'occupes pas de ce qui se passe, sinon tu donnes raison aux démons et ils veulent capter ton attention. Il ne faut pas qu'ils te détournent de la prière. C'était des très bons conseils. Donc l'absence de réaction ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Bon. Alors, généralement aussi, je suis désolé, j'entre peut-être un peu dans les détails, mais je vais vite finir. Hein. Il est important de commencer, je ne le faisais pas au début, et puis je me suis rendu compte, c'est un exercice qui m'a dit, est-ce que tu fais des prières de protection ? Il est important de se protéger, parce que malgré tout, il ne faut pas rigoler avec ce genre de choses, ça n'est pas sans conséquence pour soi, pour la personne, et pour l'exorciste eux-mêmes. Il y a beaucoup d'exorcistes qui ont connu des fins assez dramatiques. Je le dis en toute franchise ce soir, on ne touche pas à des réalités aussi obscures, sans conséquence. Alors, il faut se protéger. Alors, il y a déjà une première chose, c'est qu'il y a intérêt à aller se confesser et à se mettre bien, bien au clair avant de faire cette chose-là. Mais aussi, l'Église a ce qu'on appelle des prières de protection. Et très souvent, moi, je ne commence pas une prière de délivrance, on commence par une prière de protection. Et les personnes, avant même de commencer de venir, je dis pendant une semaine, dites des prières de protection, c'est des prières spéciales, souvent à la Vierge Marie, mais pas que, à Saint-Michel-Archange, etc., pour se protéger. Il ne faut pas sous-estimer l'importance d'une prière de protection quand on est de manière... Et dans ces prières de protection, il est dit à un moment qu'on empêche le démon de se manifester. Je vous ai dit, il faut pas... Enfin, c'est pas bon quand il commence à se manifester parce qu'il rend les choses difficiles. Ça empêche de concentrer. Donc, il faut l'empêcher de se manifester. Il faut l'empêcher de parler, quoi. Il faut lui mettre un bâillon tout de suite, de manière à ce qu'on puisse vraiment faire son travail. Le moment de la délivrance, alors il y a souvent une série de délivrances, on le voit, hein. On voit quand la personne, elle est plus tout à fait la même, et très souvent, on peut s'arrêter en disant à la personne, qu'est-ce que vous ressentez, comment vous sentez, ça on peut s'arrêter pendant, et puis on essaye que la personne puisse dire, voilà, vous allez répondre, par exemple, on fait la litanie des saints, ou litanie à la Vierge Marie, on lui demande de participer à ça. Au début, c'est difficile, elle le fait, puis tout à coup, il y a un combat, alors voilà, ça se secoue, etc. Bon, etc. Quand on arrive à des manifestations, parce que malgré tout, il peut y avoir des manifestations parfois un peu brutales, j'ai appris également qu'il est très important d'enlever tout ce qui peut blesser les personnes, faut enlever les chaussures, des choses comme ça, parce que parfois, je me souviens, un des premiers cas, je ne m'attendais pas à voir ça, vous savez, la personne qui tombe, bam, comme ça, par terre, puis qui commence à se lever, et vous savez, comme si elle était, sans qu'il y ait rien, hein, à se couer comme ça, puis avoir des gros coups, je dis, oh là, bon, c'était... Vous voyez, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, après, on dit, bon, on va prendre un bon tapis, on va faire attention que les... Mais c'est rare, hein. Mais ça arrive. Donc, c'est pour ça que je vous le dis. Voilà. Dernière chose que je voulais vous dire aussi sur ces prières. Alors, ces prières, ça commence, vous savez, de manière très simple. Hein. On prie souvent, c'est la litanie des saints, on prie Marie, on lit un extrait d'évangile, etc. Puis après, on fait les prières dites de délivrance, mais on se prépare d'abord, on appelle les saints aussi, ça c'est très important, on coupe également, on fait la coupure des liens, ça c'est bon. Cette prière, ça va sans dire, mais il faut le dire quand même, elle est gratuite. Parce qu'il y a des gens qui s'auto-proclament exorcistes et qui font payer. Déjà, ça c'est un critère, quelqu'un qui fait payer, ce n'est pas... il faut le dire aux gens, hein, c'est l'amour est gratuit, quoi, c'est pas payant. Donc, mais les gens ont toujours envie de donner. Alors, s'ils donnent, ils peuvent donner, mais il faut que ça soit bien clair avec les gens. Parce que le démon, il va guetter. Hein. C'est que ça va être utilisé pour dire des messes ou des choses comme ça. Et c'est important qu'on ne mette pas trop d'argent là-dedans. Et en tout cas, moi, je dis aux gens, moi, j'en veux pas. Hein, c'est mon ministère. Je suis habilité à faire ça. Et c'est pas pour... mais les gens veulent... Oui, bon, je le dis parce que c'est des petites choses qui sont importantes. Vous avez encore le courage pour la dernière question? Je vais essayer d'aller vite, hein, pour pas trop vous ennuyer. Mais elle est importante. C'est comment se protéger, finalement, contre le diable, hein? Comment éviter qu'on ait des problèmes? Je vais aller très vite. Ce sont des choses que vous connaissez, je pense. Bah, le meilleur argument...
La meilleure arme, c'est la parole de Dieu. Et ça, c'est déjà dit, hein, c'est le glaive de la parole de Dieu. Hein, on a ça dans Éphésiens. Et c'est important de lire la parole de Dieu. Elle a une vraie efficacité. Je vous dis, même dans un exorcisme, il y a toujours une place pour la parole de Dieu. Puis une vie sacramentelle régulière, l'Eucharistie et sacrement de réconciliation. Ça, il n'y a rien de tel pour avoir la paix. Hein, rien de tel. Le démon ne peut pas faire grand-chose quand on a une vie sacramentelle régulière. Ce qu'il utilise beaucoup, c'est notre découragement. Et ça, il faut le savoir. Vous savez, une des trois vertus théologales, c'est foi, espérance, charité, l'espérance. C'est de bien rester dans l'espérance. Et réciter des actes d'espérance, ça me paraît être quelque chose de très fort, parce qu'il va beaucoup utiliser nous décourager. Hein, là, on dit que c'est ce qui est son instrument plus usé, mais je crois que c'est vrai. Il y a aussi des petits objets qui peuvent nous aider, hein, bien sûr, c'est les crucifix, les médailles de Saint-Benoît, les médailles miraculeuses. Ce n'est pas inutile, mais rappelons-nous que ce ne sont que des objets, malgré tout, qui sont là pour nous aider, et que ce n'est pas des gris-gris, ce n'est pas des porte-bonheur, et que ça ne suffit pas si on porte une médaille de Saint-Benoît, mais que finalement on n'a pas... on est complaisant avec le démon, ça ne sert à rien. Ce ne sont que des objets pour nous aider. Hein. Donc, c'est pas des... ça nous aide, c'est important, mais ce ne sont que des aides. Bon. Ce que le démon entretient beaucoup aussi, c'est notre tristesse. Et on a beaucoup de raisons d'être tristes, hein. C'est normal. Et lorsque nous sommes tentés à nous laisser aller à la tristesse, eh bien, je crois que... il nous faut nous rappeler ce que la Bible nous dit en disant « Soyez toujours joyeux dans le Seigneur ». Je le répète, dit saint Paul en Philippiens, « Soyez toujours joyeux ». La joie est quand même quelque chose qu'il faut demander. On ne l'a pas naturellement, hein. Mais le démon adore la tristesse. C'est pour ça que d'ailleurs, je vous ai parlé des gothiques tout à l'heure. Moi, ce qui me fait peur chez eux, c'est qu'ils entretiennent la tristesse, le spleen et tout ça. Attention, parce que c'est un des points de passage, si vous voulez. C'est un des points dans lequel il va vouloir entrer. Donc, c'est très important également de ne pas se laisser aller dans des tristesses qui viennent d'une jalousie, du succès d'autrui. Hein, les valeurs essentielles d'une personne ne se mesurent évidemment pas au nombre de ses réussites sociales ou professionnelles, mais d'abord de la qualité d'amour qui le développe dans le fond de son cœur. Hein, c'est ce que si je ne suis la charité, si je n'ai pas la charité, dit saint Paul hein, aux Corinthiens, premier épître aux Corinthiens, je ne suis rien. Nous devons aussi avoir la simplicité, et c'est pas facile d'être simple. Hein, de nous précipiter comme des enfants dans les bras de Jésus. Parce que c'est lui la vraie forteresse qui est imprenable, dans laquelle nous avons toujours le droit et le devoir de nous réfugier au moment où on se sent en danger. Faut pas vouloir tout régler par nous-mêmes en disant « je vais être suffisamment fort ». Ayons l'humilité de dire « j'ai besoin de Jésus ». Sans lui, je peux rien faire et nous mettre finalement en lui. Et c'est pour ça que les saints, qui sont nos modèles, hein, qu'on va fêter dans quelques jours, là, c'est très marquant. Vous ne verrez pas beaucoup de saints, il n'y en a même pas, je ne crois pas, qui ont peur du diable. Pas du tout. Ils n'ont pas peur du... D'ailleurs, parfois, ils s'en moquent un peu, hein, le curé d'Ars, qu'il appelait le grappin, etc. Ils savent que le Christ ressuscité est quand même bien plus fort que le démon, et que finalement... on ne doit même pas nous décourager, même s'il y a des échecs, il peut y avoir des échecs, il ne faut surtout pas nous décourager. Ce n'est pas parce que nous avons perdu une bataille que nous avons perdu la guerre. Et ça, il faut nous le dire également. Hein. Donc ça, c'est une chose importante. Le diable a aussi le pouvoir, je vous l'ai dit et je vous le redis, le diable a le pouvoir que nous voulons bien lui donner. Hein. Il ne peut pas atteindre le fond de notre cœur, ni agir sur notre volonté. Nous sommes toujours maîtres de notre volonté. C'est pour ça que même une personne possédée, elle doit faire l'auto-exorcisme. C'est-à-dire, on lui demande de dire « va-t'en, je ne veux plus, je veux être libre ». Et c'est très important. Et toute personne, même une personne possédée, il ne faut pas penser qu'il y ait une possession à 100%. Sa volonté, elle est très affaiblie, mais elle est là. Et c'est là-dessus qu'il faut agir. Il faut encourager chacun d'entre nous à exercer notre liberté intérieure et notre volonté, parce que ça, rien ne peut être atteint.
Alors, qu'est-ce qu'il atteint, le démon? Il atteint notre sensibilité, hein, donc il va nous mettre dans des émotions, j'allais dire. Il atteint notre imagination, il nous fait voir des choses, croire des choses. Il peut même y avoir des visions, hein. Mais on est dans l'ordre de l'imagination où notre mémoire va nous remettre en mémoire, etc. Et c'est là-dessus que Dieu, alors je ne sais pas pourquoi Dieu lui a permis, mais il n'agit que là-dessus. Notre sensibilité, notre imagination et notre mémoire. C'est là-dessus qu'il agit. Mais il ne peut pas aller plus loin. Bon. Donc, même si nous avons des visions, nous voyons des choses, rappelons-nous que ce ne sont que des choses qui restent maîtrisables par nous. Mais il s'est joué avec nos émotions. Hein, je vous ai parlé de la sensibilité. Et l'émotion qu'il utilise le plus, c'est la peur, évidemment. Parce que c'est l'émotion la plus forte, mais aussi la plus ancienne de l'humanité. L'homme est né avec ça. Et c'est un signal d'alarme, la peur, qui est bon au départ, parce que ça nous permet d'attirer l'attention sur la présence d'un danger. Mais la peur, qui est saine au départ, peut devenir aussi malsaine lorsqu'elle fait l'objet d'une fixation durable, ce qu'on appelle les obsessions, les phobies. Donc il nous faut faire attention aussi de ne pas entretenir les peurs et de sortir des peurs ou de libérer. Alors comment peut-on sortir de la peur? Finalement, c'est l'humour. Il faut savoir, moi je sais que quand je reçois ces gens-là, j'essaye de les faire rire à un moment, faire prendre de la distance, vous voyez. Il y a un moment, l'humour et le rire, on ne peut rien faire contre. Enfin, c'est une sorte de, vous voyez, ça permet de sortir de la peur. Je reviendrai un tout petit peu après. Et puis, il y a le sentiment de culpabilité qu'on peut avoir et qui engendre l'angoisse. Alors ça aussi, c'est un lieu de passage pour le démon qui est très fort et qui devient un terreau fertile où la peur du diable va s'enraciner et se développer. Alors, pour les personnes obsédées par le mal, hein, il y a des gens qui sont obsédés par le mal, il est possible de guérir de ses peurs en restaurant la confiance. La confiance en soi, la confiance aux autres et la confiance en Dieu. C'est tout un travail. Mais vous voyez, on est presque dans du psychologique là, hein. On est en train de flirter, mais c'est aussi spirituel, quoi. C'est de découvrir qu'on est aimé, que quoi qu'on ait pu faire, Dieu nous aime et qu'on n'a pas à entretenir ou à ressasser sans cesse nos culpabilités. Et pour ça, on peut avoir besoin d'un accompagnateur spirituel ou d'un accompagnateur ou les deux, d'un psychothérapeute parfois. Ça, il ne faut pas avoir peur. Hein. Ce sont des gens que si Dieu nous a donné une intelligence et nous a donné des professionnels, c'est aussi pour qu'on puisse en servir. Voilà, c'est souvent pour des temps qui ne durent pas trop longtemps, mais il faut savoir s'en servir. Voilà, c'est tout. Donc, le démon cherche aussi à exacerber les superstitions qui sont au fond d'eux-mêmes, profondément ancrées. Et évidemment, ce qui peut mener à la possession, je n'insiste pas dessus parce qu'on en a déjà parlé, c'est tout ce qui est pratique magique, sorcellerie, occultisme, spiritisme et tout ça. Alors là, ça c'est des choses... Le pire, c'est encore les pactes diaboliques. Là, effectivement, là on est dans des choses qui peuvent nous mener directement à la possession. Donc, le premier ressort dont dispose le démon, c'est un pouvoir de fascination qu'il exerce sur les personnes désespérées. Hein, sur fond de crise d'identité religieuse. Alors là, il faut faire attention parce que les médias nous montrent un peu un diable fascinant. Hein, attention, il n'est pas fascinant du tout. Du tout. Il est même très ennuyeux. Vous savez, le mal, c'est hyper répétitif. Pour nous qui confessons, c'est toujours la même chose. Hein. Ce n'est pas très, très, très passionnant. Et bien, le diable, vous savez, c'est toujours les mêmes ressorts. Hein. C'est toujours la même chose. Il n'est pas très, très malin de ce côté-là. Deuxième ressort, évidemment, il captive par nous faire croire qu'on peut obtenir des choses extraordinaires, de pouvoir, de la gloire, de la jouissance, de la richesse. Il y a des gens qui y croient, hein, de la réussite matérielle, etc. Bon, c'est le prince des menteurs. On n'obtient pas grand-chose. On peut croire, mais il peut de temps en temps donner une illusion. Mais tout ça, c'est que du sable. Hein. Vous savez, c'est le mythe de Faust. Hein. Donc là encore, méfions-nous, tout ça, c'est du mensonge. Il peut influencer aussi nos raisonnements ou affaiblir notre volonté ou notre façon de voir les choses. Antidote, on l'a déjà dit, je l'ai déjà dit, je le répète, certainement c'est le rire et l'humour, hein, c'est retrouver la confiance en soi qui est très important, je pense. Et
on posait la question, par exemple, au père Amorth, vous savez, qui était devenu un exorciste très célèbre, et on lui a demandé si, parce qu'il a vu, si vous lisez son livre, il y a de quoi avoir les cheveux qui dressent sur la tête, hein, on lui demandait s'il avait eu peur du démon. Et il répondait, moi, peur de la bête? C'est lui qui doit avoir peur de moi. Moi, j'agis au nom du Seigneur du monde. Et lui, il n'est que le singe de Dieu. Et c'est très, très juste. C'est le démon, okay, il a plus peur de nous que finalement, on doit avoir peur de lui. Voilà. Et finalement, le seul rempart contre les démons, c'est Jésus-Christ. Je vous l'ai dit, il est vraiment celui qui nous permet vraiment d'avoir la certitude que nous serons protégés, revenir à lui d'un cœur, j'allais dire, simple, d'un cœur aimant. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, hein, dit saint Paul, car la crainte implique finalement un châtiment. Hein, c'est dans la première de saint Jean, pour qui reste dans la crainte, eh bien, celui qui reste dans la crainte n'est pas atteint par la perfection de l'amour. Alors le meilleur moyen finalement de faire fuir le démon, eh bien, c'est de ne pas en avoir peur. Et je pense que ce soir, c'est ce que j'ai voulu aussi, en parlant clairement, nettement, simplement, sans chichi, j'allais dire, eh bien, c'est une manière de le regarder en face pour lui dire, même pas peur, hein. Et puis, surtout, de ne pas l'entretenir dans son orgueil naturel et de le faire croire qu'il est si puissant, parce que lui, il va nous faire croire qu'il a de la puissance. Mais, et je termine sur cette phrase que je vous ai dit, que je répète encore, il n'a pas plus de puissance que celle que nous voulons bien lui donner.